Bonjour tout le monde et bienvenue sur Rain World, sorti en 2017. En fait, il est sorti le 28 mars 2017, développé par Vidéocult et édité par Adult Swim. Un seul concepteur, Joar Jacobson, sorti sur PS4 et PC. Et je vous laisse juste regarder la petite intro au début. La petite musique, petite chose là. Assez incroyable, c'est assez joli. Vous allez voir, le côté artistique du jeu est assez spécial. Je vais vous montrer peut-être les 5 premières minutes. Mais pour le moment, on se calme. Donc, je pense que vous avez compris avec la cinématique, le but du jeu. On est cette petite créature qui peut faire des petits bons, se combattre, ces choses-là. C'est un petit jeu d'énigmes, un petit peu comme Limbo. Pas dans le côté graphisme, mais dans le côté peut-être. Dans le côté aventure du truc. 2D. Toutes ces affaires-là. Donc, on est une petite créature qui a été séparée de ses parents à cause de la pluie. Puis là, le but du jeu, ça va être de retrouver ses parents. Mais là, c'est pas facile parce qu'on est encore un petit garçon. Et là, on a faim. Donc, on va aller chercher de la nourriture. J'ai déjà fait le début du jeu, c'était pour vous montrer plus adéquatement. Donc, on arrive ici. Et là, il y a des messieurs. On peut les attraper. Le but du jeu, ça va être d'attraper ces petites créatures-là. Pour les manger comme ça. Allez, bon. J'ai pas. Ok, j'ai roulé. Toc 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 toc. Donc là, wow, ok. Je sais pas qu'on peut faire ça. On peut aussi en ramasser plus pour que ça soit plus facile pour les niveaux d'après. Et voilà. Je jouerai vraiment pas longtemps. Je vais juste vous faire le début du jeu là. Ça sera vraiment pas long. C'est le petit tutoriel. Oui, on voit réellement qu'on peut se promener à peu près partout dans le niveau là. On va aller voir ce qui se passe ici. Une autre petite salle qui doit être destinée. Oh, oh, on peut sauter. J'essaie de comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour sauter si haut? Donc là, on comprend bien qu'il y a plein de bouffe. On peut aussi faire B pour lancer des choses, qui va être très utile pour quand on va combattre des méchants messieurs. Quoi? Ok. Donc on est une petite bouboule toute mignonne, toute relaxe, qui, oh mon dieu, il faut qu'on saute par-dessus, mais comment dans le faire? On ne saute pas bien en haut. Oh, on peut faire en bas, appuyer sur A, et bam, se propulser.
Oh mon dieu, il pleut, il faut trouver un abri car oui, la pluie dans ce jeu-là, c'est pas très très cool. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça c'est pour remonter. On va y retourner, on y retourne, on y retourne. Il fait pas beau, pas tout, c'est encore, 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 encore. Ah, fallait que je monte dessus, regardez, il y a des petits pieux que je viens de ramasser, le petit peu plus le lancer. Ça c'est quand on va se battre contre des lézards tout à l'heure, mais on se rendra pas là dans le jeu. On va arrêter ici. Je sais que c'était pas une très longue vidéo, mais cet univers est très très grand. Puis j'ai pas envie d'avoir à vous le présenter. J'ai envie que si vous voulez découvrir ce jeu-là, vous le découvriez par vous-même. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine fois. Hasta luego, guys.